entrer d'emblée dans l'information pour nous faire connaître Jean Soudil dans Grand Titio. Direction départementale, travaux publics, transport et communication pour région Nord-Pays-A. Continuer à travail, réhabilitation, tronçon route, Kankok, Vaudreuil. Population dans zone ça, saluer, travail ça. Reportage Richardson Jourdan, ACPAMS, Jean-Baptiste. Travail, réhabilitation, tronçon route, Kankok, Vaudreuil, là, avancé à grands pas. Pour qu'il y ait un trottoir à caniveau cap fait sur toute route là, avec un pile tracteur cap fait terrassement, une façon pour faire préparation pour mettre asphalte ou soit béton sur route là. Population salue travail sa cap réalisé qui pourra être utile tout le monde qui habite ou soit cap fréquenté route Kankok Vaudreuil là. Je me sens satisfait de travail là et puis tout, bagaille qui pas de jambes fait pour nous pendant que. Le gouvernement n'a pas eu une quantité de temps. Il commence à faire peuple satisfait et demander en pile priorité, en pile prolongement pour que ça soit capable durable. Moi, je suis bien dérapé avec le travail là parce que moi, dès que vous avez battu dans la zone, d'abord, le changement que vous avez fait là, vous avez fait vous, vous avez fait propre, vous avez fait vous, moi, bel changement fait dans la route là. Parce que la route là, il va conseiller. Bayo c'est pesable, bayo va faire mon seul coup. Bayo c'est magistral, c'est pesable, bayo a fait. Il y a un bel travail qui a fait dans la route. Il y a fait bel travail, bel changement. Bayo pour route là. Directeur départemental, travaux publics, transport, communication noir, ingénieur Alain lui, explique les techniciens mobilisés sur route Kankok Vaudreuil là pour finir le travail. Il demande des populations, prendre patience. Jusqu'à présent, c'est un travail qui a marché très très bien. Et nous venons sous Vaudreuil et Plaine du Nord là, c'est parce que nous avons commencé de Kankok et nous avons fait préparation de Kankok et Alimbé. Donc nous avons gagné près de 5 km qui étaient déjà préparés de Kankok et Alimbé. Donc nous avons 2 km qui ont été vopéfis, c'était déjà mis 0,31,5 pour gauche de base là. Donc nous avons imprégné 1,1 km. Donc malheureusement, à cause de financement, fait que vont pas continuer avec couche de base là pour nous. Et puis impréhension que nous avons fait déjà. Donc toute impréhension ça va finir détériorer et que nous perdu et impréhension ça que nous avons fait déjà. Mais là, nous avons parlé avec Mélissa. Donc Mélissa dit que nous avons mis 3 fumées sous chantier ça de Kankok Vaudreuil pour nous parler plus rapide. Donc nous avons gagné Kwamko qui a commencé là de Vaudreuil pour nous arriver et Kafoukrayette. Et puis, nous avons un remix cap dans le mitage de 10 km. Et puis, nous avons un Vobéfis qui a déjà commencé ensemble avec nous, qui est Kankok cap descendre vers l'Embé. Donc, c'est ça que nous avons pour l'instant. Donc, nous avons avancé assez bien. Donc, soit regarder là où nous travaillons et nous ne pas camper du tout, même la nuit que nous travaillons. Donc, pour nous, si effectivement, si nous avons terminé ça et le plus tôt possible. 16 octobre 2017, c'est date ça, chef d'État haïtien Jovenel Moïse. T'es lancé travail, réhabilitation ou Kankok Vaudreuil là. Merci Richardson ak PEMS. Et puis, quand nous parler dans la zone sud pays, particulièrement sous île Ilavache, pour nous parler de un projet qui a touché plus de 15 000 bénéficiaires dans la communauté SILA. C'est le ministère environnement qui a lancé le vendredi 2 mars passé. Projet ça a porté nom renforcement, capacité pour gestion risque avec désastre, avec résilience climatique sous île Ilavache. Yon compte rendu avec Esaïe Aurelius. Projet ça visé parmi l'autre objectif, augmenter capacité l'État et organisation locale pour planifier résilience, gérer risque avec désastre, bailler accès à l'eau potable et puis créer opportunité dans la pêche avec l'autre ressource pour habitants île. C'est un comité qui vient là-dedans, le ministère de l'Environnement et l'Agriculture, qui a exécuté le projet. Représentant Banque Caraïbienne Développement, une institution qui a financé le projet, Monica Labinette, qui a initiative ça, qui a porté en pile dans l'amélioration de la vie de Mounsouzile. Banque Caraïbienne de Développement déjà engagé en faveur d'Haïti jusqu'à hauteur de 133 millions de dollars. Il y a un pile dans l'agence qui était consacré par Banque là pour améliorer les conditions d'éducation scolaire en Haïti, pour renforcer la capacité du secteur privé et puis pour faire intervention en agriculture avec développement rural. Avec projet ça, le gouvernement voulait apprendre sur résultats pour le capable d'appliquer dans diverses autres îles pays, d'après le ministre de l'Environnement, Pierre-Simon Georges. L'app service outil tout pour aider le ministère à mobiliser l'argent
pour avancer avec l'application modèle ça. L'île Avache va bénéficier dans ce projet de l'électricité, de l'eau, de la pêche. Il doit être renforcé par dans ses capacités pour résister aux aléas climatiques. Ce projet va aussi être coiffé par différents comités, comités interministériels. Il y a aussi un comité multisectoriel. Il y a aussi un comité des différentes autorités locales. Ça veut dire que c'est un projet, comme l'a signalé Madame la Présidente tout à l'heure, c'est le projet de l'île Avache. Le gouvernement a besoin de l'expérience que nous aurons acquise de ce projet pour le répliquer dans les autres îles telles que la Gonâve, la Tortue et autres. Projet ça qui lancé dès mars passé doit arriver dans Boutli dans mois juin 2022. L'a coûté 6 325 000 dollars américains et puis joint financement Banque Caraïbienne Développement avec l'État haïtien. L'autre point d'actualité, nous avons arrêté qui portait date 28 février 2018. Gouvernement Moïse Lafontaine fait obligation pour toute transaction commerciale qui a fait dans le pays, faite dans la monnaie nationale qui c'est Goudla. Décision ça a entré dans le cadre GFOR, équipe en place là, a fait pour assurer une stabilité économique dans le pays. Yon papier avec Anne-Marguerite Auguste. Arrêtez ça qui gagne 10 articles la donne avec plusieurs considérants exigés pour toute transaction commerciale qui a fait sur le territoire haïtien, faite dans la monnaie pays qui c'est Goud. Autorité yo di yo prend décision ça à cause l'autre monnaie qui a circulé dans pays a affecté coût produit yo. Dans sens ça, l'État qui gagne responsabilité pour protéger intérêt collectivité yo a garanti bien-être population an, prend décision ça pour veiller sur bon fonctionnement mécanisme économie haïtienne nan, dans l'idée pour prévenir toute crise ak mauvaise interprétation compte monnaie nationale là. Dans même arrêté ça, dirigeant yo di li important pour prévenir et puis sanctionner toute mauvaise pratique commerciale cap contribuer pour détériorer pouvoir d'achat famille haïtienne yo et puis appauvrir population haïtienne nan. Dans l'article 6 arrêté ça, l'État mande tout citoyen pour dénoncer ak porter plainte contre tout monde ak entreprise qui a réclamé paiement dans monnaie étrangère au soit équivalent li en goud. Le yo fin fait une transaction commerciale au soit acheter yo bien ou service. Décision ça d'après autorité yo c'est pour permettre goud la reprendre valeur devant l'autre monnaie étrangère yo à créer une stabilité économique sûre dans pays ya. Pour assurer suivi application disposition sa yo, autorité yo mette campé un comité qui gen la donne représentant Banque Centrale, Ministère Économie et Finance, Ministère Commerce et Industrie, kap gen nan tèt li yon kad primature, kap gen pou présenter yon rapport périodique ba chef gouvernement sou impact mesure sa yo. Comité a, après travail sa yo, ap gen pou fè recommandations nécessaires pou pi bon application mesure sa yo. Merci Anne, n'a toujours été dans dossier ça pour nous dire décision gouvernement prend pour exiger toute transaction dans affaires commerce faite avec l'agent haïtien continuer à faire débat. Économiste Eddy Labossière by opinion tout sous décision ça pendant lui encourager application mais ici là on suivi un reportage avec collaborateur Nyo Ansi Mars et puis Fresnel tout ça. Économie ça pas faire route découpée pour lui battre bravo pour décision ça. Et dit la Bossière était quoi devant quantité de travail qui gain pour faire pour application arrêté là, il nécessaire pour gain l'autre décision qui aller dans même sens là qui prend. Mais comme économiste m'a tant me dit ça depuis 25 ans. Les amis, depuis 25 ans m'a tant me dit ça parce que pas normal ou pas venir aucune économie moderne, ou pas venir aucun pays développé même dans certains pays sous-développés. Pour ne pas dire la plupart des pays sous-développés, ou pas bien une situation où on a une double circulation monétaire. Donc, son musique est bon,
Mais sauf que, mesure pas de prendre conseil dans le contexte. On est de chiter avec plus de monde pour garder. Parce qu'en économie, quelle soit action opposée, il y a une réaction. Quelle soit action opposée, il y a des gens qui sont contents, il y a des gens qui ne sont pas contents. Si c'est vrai, toute transaction l'argent doit être faite dans l'argent haïtien, et dit la bossière était quoi? Il faut que les mesures qui prennent pour encourager la production nationale, ça qui a réduit la pression sur l'argent américain pour faire importation. On va regarder si le gouvernement sérieux, si les institutions haïtiennes telles que le ministère du Commerce, qui est responsable de l'application de mesures, là, si on va le mettre en application. Donc, l'homme mette les mesures en application, ou pas en économie, on ne prend pas une mesure disparate, ou pas une mesure en système, son approche systémique pour gagner. Mesures, ça doit prendre. L'on approche systémique qui consiste à faire un plan global de développement. L'on prend comme ça. Et faire quoi est-ce qu'on doit pas gagner? On va pas aller voir un grand matin pour un décret, il faut frapper. En tant que gouvernement, qui l'a encore 4 ans, le gouvernement a un temps, si tu as le mur et décision, pas du secteur privé à guérison. Non? Mais m'obliger par l'éclair avant. Une décision comme ça, où tu apprends à l'intérieur d'un plan global de développement. Et la finalité de ce plan, c'est de lancer la production nationale. Laisse à même mon gars parler, tu as parlé 2-3 jours, après tu as voulu faire même bouchou, commencer une production, demande pour dollars, tu as baissé, et puis mesure tu as apporté plus facilement dans l'application. Devant inquiétude d'un pile consommateur gagné, économiste la ferme. Même nos fonds de transaction à l'étranger, il faut arriver sur le statement que la banque a pour mettre, c'est l'état financier que la banque a pour mettre, et puis le mettre, ou tu as acheté pour 100 dollars en côté, nous transformons 100 dollars en goudes, et puis le mettre à côté taux de référence de la banque centrale. Qu'on y a que la Banque centrale mette en place parce qu'il y a une structure de contrôle, une structure de supervision, que le ministère du Commerce augmente la capacité de supervision, de même que la Banque centrale pour augmenter la structure de supervision. Parce que, pas bien, si son régime fort, si c'est un régime politique fort, même s'il n'y a pas de supervision, pas de conscience. Arrêté 1er mars 2018, là, vini plusieurs mois après BAH, t'a annoncé décision pour éliminer les affaires pays 4 crédits avec l'argent américain dedans pays d'Haïti. L'autre information n'a porté pour nous dans le journal ça, la commission intérieure, commission planification dans le Sénat, avec chambre députée qui chita parlé lundi 5 mars, avec ministre intérieur Max Rodolphe Saint-Albin, ministre planification Aviol Fleurant et puis Fédération nationale magistrat haïtien. Yo. Dossier déblocage fonds communal yo tenant mitan discussion yo. Côté yo rive joine yon entente pour débloquer fonds SILA. Président de commission sa yo expliqué tout projet magistrat yo te déjà identifié pour le débloquer alors que projet l'autre secteur te identifié magistrat yo a gain pour analyser yo avant yo ta soumettre yo by ministère planification. Président commission planification Sorel Jacinthe avec président commission intérieur Francenay Denius tenant dans micro Fedner confident avec Danius Théodore pour plus de détails. Sous question fonds communaux, nous arrivons à une solution qui répartit comme ça. Sous budget rectificatif 2016-2017, tout projet que magistrat yo se yo mandé yo gon entente qui joigne pour projet ça au ministre planification avancé avec magistrat et ministre planification yo bral font inventaire magistrat collectivité ou la caillou chaque association yo bral wè qui projet qui gen conflit sous lui il a fait inventaire ça ministre dans deux côtés parler pour yo joindre yon modus vivendi pour projet ça yo magistrat approprié yo pour fonds communaux, pour la commune, pour projet dérapé. Sous question budget 2017-2018, nous d'accord entre nous, problème ça, il faut le résoudre une fois pour toutes. Étant donné pour qu'on ait aucun projet, pour qu'on ait aucun magistrat qui écrit pour lui, nous avons continué la rencontre là, nous avons continué à faire discussion pour nous capables de faire une réponse appropriée et pour nous rester beaucoup plus au niveau légal. Sous projet 2018-2019, nous croyons que c'est la question structurelle là pour question à résoudre et côté pour le résoudre, c'est dans le budget Cabral fait. Donc là, nous obligés clair pour nous mettre chaque attribution côté que
yo obligé mettre. Tout le monde d'accord que projet yo yo aller trop lent. Dans même logique dialogue là, sénateur yo, député yo, bral continuer chita avec Fenam pour nous voir comment de façon structurelle nous capable résoudre li, et c'est la loi qui vous permet de nous faire ça. Et c'est ça que fait nous gagnons bon côté nous président commission finance. Nous allons joindre tout avec le président de la commission finance, chambre des députés. Et bien, pour l'échange, les trois commissions des deux chambres, avec la FENAM, nous garder comment définitivement, et bien, transférer à partir de budget, et bien, ensemble de fonds, vers les communes, pour le problème qui posait là, aujourd'hui, n'est pas reposé. Nous avons toujours été dans le même sujet, ça, ensemble avec le ministre intérieur, hein, et puis ministre planification, hein, maître Adolphe. Aviol, pardon, Florent, et puis ministre intérieur Max Rudolph Saint-Albin qui continuait préciser c'était un problème communication qui était gagné, qui la cause fonds communalio potco débloqué. Série rencontre parlement fait à Kyo et puis Fenamlan facilité un commencement solution dans cadre dossier Sila. Gain plaisir l'autre rencontre qui prévoit organiser dans l'idée pour joindre une solution définitive à la question ça. Ministre planification Aviol Florent et ministre intérieur Max Rudolph Saint-Albin tenant micro Eliezer et Théodore en suivre. Je confirme que sous table là, c'est ça que nous arrivons à en solution, au début de solution, en ce sens que pour budget 16-17 là, qui était voté fin année et fin juin de l'année 2017, eh bien, projet est transféré vers les secteurs, à savoir travaux publics, intérieur, santé publique, pour réaliser question de route, marché public et réaliser question de réhabilitation de centres de santé, etc. Que projet qui n'a pas de problème, c'est mairie qui soumet, eh bien, ces projets, on va directement et le plus vite que possible vers leur exécution. Projet que fait Nam Tagé, il y a objection sous lit, à savoir que ce n'est pas mairie qui te soumet, ou bien c'est avant le Kazek, eh bien, on va faire un arbitrage pour permettre à ce que ça résoudre. Maintenant, pour 17-18, c'est budget ADSA. Heureusement que le processus de mise en branle là pour fait, eh bien, nous dit, Dalgon Chita, entre FENAM, les trois commissions du Sénat de la République, Finances, Intérieur, Planification, les trois commissions de la Chambre des députés, Finances, Intérieur et Planification, pour y'a qu'à mettre tête ensemble en tant qu'élu, pour y'a qui j'ai appris à résoudre le problème dans le dialogue. Et la solution y a besoin non, y a imposé moi-même comme ministre. Pour ça comment c'est sorti là, nous sommes tendus. Quoi que gon clairement des ententes qui arrêté sous 2016-2017, des perspectives de rencontre et d'approfondissement de solutions, même si lueur yo commencé dégager pour 2017-2018 et certainement de façon 18 et de façon structurelle, permanente et durable. Pour problème ça à poser et résoudre une fois pour toutes pour des budgets 2018-2019. Encore une fois, moi-même, moi vraiment content et honoré que je fais partie à discussion ça. Et c'est comme ça, encore une fois, je pense que Haïti a sorti dans sa lière. Et c'est ce genre pour définitivement, pour collectivité, joindre tout bon. Je crois que je vais souhaiter seulement compliment à tout le monde, à tout acteur qui est impliqué dans le processus de dialogue, ça, parce que c'est, nous tous, c'est pour Haïti que nous travaillons. Et puis, nous avons fait un dossier ça ensemble avec le président Fédération nationale magistrat haïtien, Jude-Édouard Pierre, qui était avec la Fédération magistrat régionale. Qui exprimait satisfaction là, sous série rencontre parlement organisée avec ministre planification hein, et puis ministre intérieur dans le cadre de déblocage fonds communaux. Magistrat Pierre dit yo entendu tout projet mérité identifié pour exercice 2016-2017 yo pral débloqué.
magistrat Edouard Bok pas d'accord avec l'idée pour ta gain l'autre entité qui soumet projet. Si tu as un projet, l'autre entité t'a soumet, mairie t'a dû analyser pour connaître si oui ou non, il y a pas approuvé. Pour projet qui concernait exercice 2017-2018, il y a rencontre qui pral fait pour joindre une formule pour capable débloquer. On suit. Mario, c'est le premier responsable au niveau communal. Nous te dit position finalement, c'est que les mairies, les maires doivent s'approprier justement de tous ces projets. Et nous te dit ça, nous demander que Vima yo fait directement sur compte mairie. Son position finam te gen les maires te gen par rapport à statut mairie. Position ça, eh bien, par rapport à discussion que sont faites yo et niveau engagement qui prend déjà sous projet yo dans un ensemble de communes de la République, compte tenu du fait que depuis 30 septembre, déjà c'est là fini. Donc nous entendons sous principe ça que le projet va continuer avec un bémol que seulement les projets qui ont été déposés par les mairies seront exécutés. Les projets qui n'ont pas été déposés par les mairies seront réévalués et c'est mairie qui va écrire le projet pour le ministère de la planification. Comme toujours dit ça, je répète que les magistrats entendent avec les députés pour déposer projet. Mais la question c'est député pour signer son projet pour le ministre au recevoir là, nous-mêmes nous comptons ça, nous pas d'accord. Et c'est obligation que magistrat entend avec les députés dans la commune, nous reprenons ça. Sur le deuxième point, c'est budget 17-18 là. 17-18 là, pour le projet qui est engagé. Demande finalement qui s'allie, c'est comme ces 17 là nous pas de temps par rapport à niveau engagement de pension sur ce projet, parce que ça déjà très loin. Mais sous 17-18 là, pour qu'on le vire directement sur le compte mairie. Il y a un petit bémol que le sénateur a mis par rapport à la question à la dimension politique question. Il a proposé avec le député pour qu'il y ait l'autre rencontre qui fait sous lui qu'à joindre une solution définitive. Mais ça, c'est la position de la FENAM, la proposition de la FENAM sur l'exercice 17-18 là. Et il y a une discussion qui pourra l'engager pour que pour l'exercice 18-19 là, justement, le problème ça résout de manière définitive. Que les clairement dit que font ça et déloger, délocaliser, ils veulent le ministère intérieur et gagner un dénouement plus ou moins acceptable. Jodia et gagner un contrat fait entre le conseil exécutif finalement, les 10 présidents et concernés au ministre, ministre pour nous joindre une solution rapide. N'a pas à poursuivre ensemble avec le président de la commission agriculture, chambre député Samuel d'Haïti, et puis député circonscription Limonadlan, Tanis Tertius, qui lançait un SOS par le ministère agriculture pour faire intervention dans la vallée la Tibonite par rapport à phénomène rat qui a fin ravagé jardin paysan. Deux parlementaires ont annoncé qu'ils pral convoquer le ministre agriculture Carmel André Béliard pour avoir une explication sur une semence du riz directeur Natcomlan a distribué sans autorisation ministère. Fedner confident à Théodore Darius pour plus de détails. Le directeur de la NACOM lui introduit une semence, une lignée sans autorisation du ministère de l'Agriculture, sans autorisation de l'État, lui distribue semence à dans vallée d'Artibonite et dans toute poche qui fait du dans le pays. Est-ce que ce n'est pas un plan pour écraser l'agriculture, non? Est-ce que ce n'est pas un plan pour écraser la caravane, non? Côté président. Donc nous-mêmes, au sein de cette commission, nous parlons des ministres, de qui prévient? Qui s'intéresse le directeur de l'ANACOM? Qui, pas oublier, non? L'ANACOM fait partie de Viettel. Et en janvier 2018, non, là, l'idée le Viettel Group, c'est Viettel Military. C'est-à-dire, ça dépend, ça, c'est vision du moins encore, c'est entreprise directement de l'armée vietnamienne. Et faut nous là ton bagaille. Haïti a acheté du riz 10 sous 10 dans le Vietnam. 300 000 tonnes du riz là. Est-ce que c'est pas en façon tout pour être capable de permettre que nous dépendions de du riz dans le honnête normalement qui fait que on vient craser. Donc nous même en tant que parlementaires, c'est le ministre de l'Agriculture qui nous a posé des questions. Pour le gouvernement poser question à Vietnam,
nan ki l'idée que yo introduit ligné seulement ça pas oublier yo vin avec deux lignées Jasmine 85 yo t'essayé déjà dans la Tibonite en 94 li pas bon li pas groupe paysan rejeté li te gen on sent tout li attiré rat pas jambe gagne direct après durant là c'est pas normal seulement ça attiré rat non convoqué ministre agriculture pour le capable vinn prendre responsabilité dans pays nous pas dans notre pays côté que c'est agriculture nous gagne plus de 80% monde qui pratique avant ça c'est n'a prendre là-dedans est-ce que tout temps nous carrêter sous compte blanc pour Saint-Domingue pour nous manger tout temps pour nous gagne jeune qui va aller Chili pour nous gagne jeune qui va aller Brésil pour nous gagne jeune qui va jeune qui va la République dominicaine tout temps nous carrêter comme ça mais faut que bien content gouvernement ouais ça administration Moïse Lafontaine parler bien caravane y a mettre en valeur agriculture mais ministre agriculture particulièrement faut prendre responsabilité faut prendre responsabilité puis contrôle tout ça qui a passé sur le plan agricole c'est wall ministère ça c'est pas c'est blanc moi ça indien pour moi c'est blanc qu'a fait la loi dans le pays pour la question de l'agriculture. Voilà, c'est des précisions, député Samuel d'Haïti avec Tanis Tertius. Vous amis téléspectateurs, moment arrivé pour nous prendre une autre pause. Restez branchés, nous retournons tout de suite. L'émission. Merci parce que nous avons toujours été branchés Télévision Nationale d'Haïti dans le journal. On pourra poursuivre pour nous faire connaître. Ambassade Venezuela en Haïti commémorée lundi 5 mars, 5e anniversaire de l'homme président vénézuélien Hugo Chavez. Pour l'occasion, l'ambassade l'a organisé en messe dans l'église Notre-Dame Miraculeuse de Fleuriot. Après ça, ambassadeur vénézuélien Luis Ernesto Diaz Corbelo t'es al déposé yon jeb flair en bas statue Hugo Chavez qui sous place qui pote non lien dans zone Maïgaté. Un suivi en extrait dans micro TNH. Donde estamos rendiendo homenaje al comandante Hugo Chavez. Nous profiter pour nous être capable de faire activité ça en hommage avec 5e anniversaire de l'amour commandant Hugo Chavez. C'est même gentil au Venezuela dans moment ça. Et yo a commémoré 5e anniversaire la mort commandant Hugo Chavez. Tout pays qui vient pour avec Petrocaribe yo invité pour capable participer dans activité ça. Nous pas oublier que un pays préféré commandant Hugo Chavez c'était Haïti. Et de même tout pour commandant Nicolas Maduro. Côté que n'a rappelé nous de révolution bolivarienne non. Et nous avons fait un hommage au commandant Hugo Chavez. C'est une date côté que tout pays, dans tout pays côté que nous avons ambassade nous, et nous même tout, nous fait et commémoration ça. L'autre information qui a dominé l'actualité, c'est le mort ancien ministre agriculture, ingénieur agronome Gérald Mathurin, qui mourit samedi 3 mars à l'âge 64 ans à cause d'un accident vasculaire cérébral dans l'hôpital Canapé Vert dans Port-au-Prince. Gérald Mathurin était ministre agriculture durant 7 mois dans l'administration président René Prévalent, sorti mars 1996, arrivé octobre 1997. Ingénieur agronome Mathurin était fait Jacques Mel. Les diplômés dans promotion 1973-1977, faculté agronomie et médecine vétérinaire. Carrière li comme agronome commencée dans l'occasion développement Vallée la Tibonite Haute-Va, côté Litévine, directeur général. Gérald Mathurin, c'était fondateur, coordonnateur, coordination régionale organisation Sud-Est, yon mouvement social, paysan, femme et jeune. N'a profité occasion pour nous souhaiter condoléances by parents, familles, amis, collaborateurs à tout le monde l'amour si là fait la peine. Je note dit dans grand titre tout dans occasion 34e conférence les lundis de la presse
Ministère Communication recevoir lundi 5 mars 2018 l'an directeur général électricité d'Haïtia, Hervé Pierre-Louis, qui te gagne à cli deux cadres dans l'institution. C'était occasion pour directeur général l'an présenter différentes phases projet réhabilitation, ligne transmission pylône 115 kV qui permettent courant arriver dans Delma 33, dans cadre travail à faire pour bail courant électrique 24/24 dans le pays. Ingénieur Hervé Pierre-Louis fait connaître, il y a travail pour améliorer production EDH. Il y a un extrait dans le micro, Rachel Saint-Fort à Clouor, Darly Jean-Jacques. Maintenant, centrale Pélig réhabilité, il faut que l'énergie qui produit à transporter de manière sûre vers Port-au-Prince. Ligne, même gens avec centrale là datée de plus de 50 ans. De Delma, de l'Île-à-Voix 17, pardon, à Delma 33, toute ligne ça où elle passe en bataille. Liberté, pour nous construire n'importe qui, il y a des coûts tout. Les coûts l'État ici m'a répété encore 15 millions de dollars en plus parce que au lieu de câble aérien, câble elle passe en bataille. Présentement, travaux ont fait dans zone Cafou Fleurio et depuis une semaine, il a commencé, il va durer encore deux semaines. Le travail, ça va créer inévitablement des perturbations dans la circulation. Je me demande compréhension publique là. C'est pour bien nous, c'est pour plus courant que nous sommes capables de joindre. Donc, prends un petit patience, accepter l'inconvénient que ça a causé, c'est une façon pour demain venir bon. De même, tout, dans la zone de l'île à voie 17, à Carrefour Marassa. En particulier, dans la zone Carrefour Marassa, le travail a commencé tôt depuis quelques jours. Ce qui bralbaille encore des perturbations, mais perturbations, ça, c'est pour au mieux-être. Donc, il y a environ 9 km pardon, de câbles aériens qui bral remplacer par câbles souterrains. Toujours dans la 34e conférence lundi de la presse, là, c'était occasion tout pour le directeur général EDH, là, Hervé Pierre-Louis, pour te parler sous ensemble problème institution SILA a fait face. Ça qui fait l'État obligé subventionner institution pour une valeur environ 9 milliards gourdes par année pour permettre le système de marché, d'après le directeur général. Là. Dans l'idée pour répondre à la situation, ça, directeur général a annoncé, il a lancé un programme éducation à communication qui visait changer comportement population pour permettre plus de monde de payer facture. En suivant. Pour zone métropolitaine, pour 7 en novembre 2017, des 319 millions 137 000 Good. Oui, 7 en décembre, passé à 305 millions. En janvier, je passé à 316 millions. Le nom de historique, oui, 7 EDH, était toujours autour, pour zone métropolitaine, de 250-260 millions. Oui, 7 a augmenté parce que plus de monde collaborer, comprendre que paiement facture, c'est un geste, c'est un comportement qui est important. Cependant, nous avons des chiffres toujours pour montrer côté il y a effort, un pile effort pour faire encore. Non seulement bon côté EDH, mais surtout bon côté population. EDH facturé 45, préparé 45 factures, 45 000, pardon, c'est seulement 8 154 monde qui viennent payer. Pour l'agence de Port-au-Prince, EDH préparé 29 432 factures. C'est seulement 5 800 personnes qui viennent payer. Pour Delma, EDH préparé et livré 39 734 factures. C'est seulement 7 885 personnes qui viennent payer. Nous voulons plus courant, il faut que plus de monde paye. EDH est capable d'engager nous, mais il faut communautaire. Population tout engagé. Le joint de facture, geste pour le faire, c'est Vindel. L'autre information, un responsable centre formation, Yams Business School,
Bettina Boyer Desrosiers qui annonçait une journée d'information sur l'entrepreneuriat Cap Gain pour dérouler samedi 24 mars Cap Vinila. Responsable Santlon qui était rencontré avec une équipe Télévision Nationale d'Haïti lundi 5 mars l'an. Encourager jeunes yo vin apprendre faire business yon façon pour diminuer phénomène pauvreté en dans pays a yon extrait dans micro Kolo Eliezer donc séminaire ça y a jeune et normalement pour montrer comment pour faire business yo et il est capable sortir tout avec une idée business. OK, donc si vous êtes déjà dans le domaine business tout la venir pour capable structurer business là parce que entrepreneuriat c'est qui ça lié c'est faire l'argent avec méthode quand pile monde qui a fait l'argent qui a fait business yo par contre comment pour yo faire ça mais nous même nous montre comment pour faire donc c'est ça qui fait que nous jour n'a montre faire l'argent et puis faire business là avec méthode presque chaque mois nous fait un séminaire presque chaque mois le temps pour capable couvrir et des plus jeunes plus monde tout apprendre faire business et puis ce jour même jour 24 là n'a gagné un entrepreneur qui c'est Roland Zeni qui a ensemble avec nous pour li bail le conseil sur domaine business les mêmes qui sont entrepreneurs sa fille d'Haïti donc les mêmes tout cap là qui venir des jeunes là venir ba au conseil concernant business yo ça ou ta rien fait et comment ou ta rien fait business yo capable venir participer dans séminaire ça qui fait samedi 24 mars de 8h jusqu'à 3h donc yo capable participer donc yo capable reler nous pour yo capable réserver place yo y a bay non yo avec numéro téléphone yo dans 46 31 47 78 donc vous capable reler nous pour capable réserver non nous pour capable assurer que y a là pour si n'a prend l'autre monde pour quitter place yo pour yo. Prochain coup de pied nous dans journal ça mener nous dans actualité en l'autre bord de l'eau mais bien avant n'a prend en pause n'a tourner tout de suite. Merci parce que nous toujours été branchés. Jean Tédil avant pause là nous parler rapidement dans l'actualité en sous-plan international, pour nous faire connaître, j'en ai dit dans grand titre tout, pour première fois depuis la guerre Vietnam, il y a un porte-avion américain USS Galveston accosté lundi 5 mars dans le port vietnamien. Il y a une escale à la fois symbolique et puis stratégique qui fait dans une période de tension territoriale entre Pékin et voisin Lio dans la Chine méridionale. On suive un reportage. Pour la première fois depuis la fin de guerre Vietnam, ça a été plus passé 40 années. Un porte-avion marin américain accosté dans le port vietnamien en Da Nang lundi 5 mars 2018. Là. Objectif de pays ennemi, d'après une analyse politique, c'est barrer monter en puissance la Chine dans la région. Dans le domaine de sécurité, les États-Unis et les Vietnamiens ont intérêt tout de pour barrer la Chine. Ils ont considéré différents territoriales entre Chine et Vietnam. Mais le Vietnam n'a pas d'intention pour autant venir aux États-Unis. C'est plutôt une stratégie protection, équilibre, puissance. Ce n'est pas pour autant l'intention de devenir un allié des États-Unis. Diplomatie vietnamienne a qualifié visite ça comme une visite amitié entre deux pays. Qui pourra contribuer pour gagner bon gens la paix, stabilité, sécurité, coopération et développement dans la région. États-Unis, bon côté, pas partager conviction, ça a côté de décrit visite 4 jours US Galveston à contingent là, qui gagne 5000 marins avec aviateurs à Bali, comme une occasion historique qui visait développer une relation amitaille. Porte-avion américain accompagné à Gabon. Toujours dans l'actualité en l'autre bord de l'eau. Un convoi aide rentré lundi 5 mars dans l'enclave rebelle orientale en Ghouta. Convoi ça a gagné une quarantaine de camions qui chargés avec aide médicale, manger pour presque 27 500 personnes d'après Bureau coordination Affaires humanitaires ONU. Ghouta assiégé depuis 2013. Aucune aide pas qu'à rentrer sans autorisation régime syrien. Dernier aide yoté recevoir, c'était dans mi-temps mois février. Au total, ONU recevoir autorisation pour distribuer aide pour 70 000 moun. Yon deuxième convoi prévoit pour jeudi prochain. Pouvoir Bachar al-Assad a contrôlé désormais yon tiers territoire rebelle Sahara qui trouvait à yon centaine kilomètres carrés à Damas d'après l'observatoire syrien d'Ouamoun.
Avant nous aller, les amis téléspectateurs, nous fait tout le monde connaît, nous gagnons dans local télévision nationale d'Haïti dans Delma 33. Il y a un petit garçon qui perd du Wood Kylie. Non, lui, c'est John Joassin. C'est non petit garçon ça n'a pas gardé là. Il dit qu'il gagne 8 l'année. John Joassin dans télévision nationale depuis mercredi 28 février passé. Donc, on a demandé n'importe qui qui t'a reconnaître maman qui relait Evelyne Dominique, Cap Vive Jérémy, pour ta vine chercher dans télévision nationale d'Haïti. Ti garçon ça relait John Joassin, il gagne 8 l'année, il perd du Wood Kylie. Maman relait Evelyne Dominique, maman Cap Vive Jérémy. Donc, il sorti grand danse. Nous demandons n'importe qui t'a reconnaître une famille ou sinon une parole pour demander yo vin chercher dans la télévision nationale d'Haïti, Delma 33. Travail réhabilitation tronçon route Kankok Vaudreuil-Lan a continué. C'est direction départementale travaux publics transport communication pour région Nord qui responsable travail ça yo. Commission intérieure, commission planification dans Sénat, chita palé lundi 5 mars lan ak ministre intérieur Max Rudolph Saint-Albin, ministre planification Aviol Florent et puis Fédération nationale magistrat haïtien yo. Dossier déblocage fonds communalio tenamitan discussion sa yo. Économiste Eddy Labossière salue décision gouvernement prend pour exiger toute transaction dans affaires commerce faite avec l'argent haïtien. Économiste l'a encouragé application mais ici là. Ministère environnement lancé vendredi 2 mars passé à un projet qui portait nom renforcement capacité pour gestion risque à désastre à résilience climatique sous île Ilavache. Projet ça a touché plus passé 15 000 bénéficiaires dans la communauté Silla. Directeur général électricité d'Haïti, Hervé Pierre-Louis, présenté différentes phases, projet réhabilitation, ligne transmission pylône 115 kV qui permettent courant rivé Delma 33 dans le cadre de travail à faire pour bail courant électrique 24/24. Hervé Pierre-Louis est intervenu aujourd'hui en occasion 34e conférence les lundis de la presse, ministère communication organisée. Ancien ministre agriculture, ingénieur agronome Gérald Mathurin, mourit samedi 3 mars l'an à l'âge 64 l'année à cause d'un accident vasculaire cérébral dans l'hôpital Canapé Vert, dans Port-au-Prince. Gérald Mathurin était ministre agriculture pendant 7 mois dans l'administration président René Prévalent, sorti mars 1996, arrivé octobre 1997. L'actualité en sous-plan international, pour première fois depuis guerre Vietnam, il y a un porte-avions américain USS Galveston accosté lundi 5 mars dans un port vietnamien. Il y a une escale à la fois économique et puis stratégique. Merci tout le monde qui t'a suivi. Premier sorti journal pour semaine ça. Dans présentation, c'était Lénéla Sandra André. N'a remercier toute équipe qui t'est mobilisée pour te révérer ni possible. Et puis, n'a souhaité nous toutes une très bonne semaine, une fois encore, mais surtout une très bonne soirée sur Télévision Nationale d'Haïti. Au revoir.